On l'appelle l'auberge du Ram Inn. Et cette vieille demeure du XIIIe siècle est considérée comme la maison la plus hantée d'Angleterre. Pour toute la famille Humphrey, la maison de leur rêve va devenir la maison de l'horreur. Aujourd'hui, on se déplace du monde entier pour pouvoir assister à ces phénomènes dans cette auberge. De quels événements glaçants la famille Humphreys, mais aussi des chercheurs du paranormal, ont-ils été les témoins dans cet endroit étrange? John Humphrey et sa fille Caroline racontent entendre des murmures d'enfants, mais aussi des cris en provenance des murs. L'épouse de John Humphreys est tellement effrayée qu'elle supplie son mari de quitter l'endroit. Quelles histoires terrifiantes se cachent derrière ces murs? Ce que découvre le propriétaire à ce jour-là, c'est une tombe. Sous cette maison se cache en réalité un véritable cimetière. Retour sur l'effroyable histoire du Ram Inn, l'auberge la plus hantée d'Angleterre. Nous sommes au sud-ouest de l'Angleterre, plus précisément à Wotton-under-Edge, une petite ville typique de la région des Coastwalls. C'est ici qu'en 1968, John Humphreys et sa femme achètent une vieille maison délabrée, une ancienne auberge dont ils ignorent encore quel est l'un des endroits les plus hantés de toute l'Angleterre. En 1968, John Humphreys et sa femme achètent cette maison. C'est une ruine dont ils savent peu de choses. On leur a dit que cette maison datait du Moyen Âge, que c'était une auberge et qu'elle s'appelait Ram Inn, c'est-à-dire l'auberge du Bélier. Alors le couple Humphreys ignore totalement l'histoire de cette maison et s'ils l'avaient su, je pense qu'ils auraient pris leur fille sous les bras et ils auraient fui cet endroit loin, très très loin. En attendant, en 1968, ce couple a un véritable coup de cœur. Et leur projet, c'est de rénover cette bâtisse à l'abandon et ouvrir des chambres d'hôtes. Alors pour la famille Humphreys, c'est une nouvelle vie qui commence. John, le mari, c'est un ancien conducteur de train. Il voulait changer de vie. Et puis cette maison lui donne l'occasion de le faire, d'autant plus que pour lui, c'est une véritable affaire. Pour le coup, il n'achète que 2600 livres, ce qui fait à peu près 6000 euros. Fin 1968, les travaux de rénovation sont quasi terminés dans la maison. La famille va pouvoir s'y installer, à défaut de pouvoir immédiatement ouvrir les chambres d'hôtes. Mais la maison de leur rêve va vite se transformer en cauchemar. En effet, si pour John Humphreys, l'achat de cette ancienne auberge reste l'affaire du siècle, lui et sa famille vont raconter, peu après s'y être installés, avoir vécu des phénomènes terrifiants. Le premier membre de cette famille qui va vivre un phénomène paranormal, c'est John Humphrey lui-même. Ce soir-là, la maison est encore en travaux. John est seul et il décide de dormir dans le salon. C'est la toute première nuit de cet homme dans cette maison et il va s'en souvenir toute sa vie. John Humphreys raconte que ce soir-là, alors qu'il dort, quelque chose l'a agrippé et l'a éjecté violemment de son lit. En fait, il a été agrippé et traîné mais jusqu'au milieu de la pièce. Devant la violence des faits, sur le coup, John essaye de savoir s'il y a quelqu'un d'autre avec lui dans la pièce. Il regarde tout autour de lui et non, il n'y a personne. Et quand il a compris qu'il était seul, le pauvre John dira avoir eu peur d'être devenu complètement fou. John Humphrey est terrifié par ce qui s'est passé dans cette maison, mais il ne va pas oser en parler à sa famille, il ne leur dit rien. Quand sa femme et ses trois filles le rejoignent dans cette maison, elle n'imagine pas s'installer dans une maison dont on dira 50 ans plus tard que c'est la maison la plus hantée du pays. Quand bien même John Humphrey essaye de tout garder pour lui, à un moment donné, il va être dépassé par les événements. En effet, alors que John Humphreys préfère taire à sa famille ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là, ses proches venus le rejoindre vont assister à leur tour à des phénomènes surnaturels. Pour toute la famille Humphrey, la maison de leur rêve va devenir la maison de l'horreur. Alors la famille évoque différents phénomènes, porte qui claque, craquement du plancher comme si quelqu'un était en train de marcher au étage supérieur. Ils vont aussi raconter des objets qui se déplacent, des meubles qui bougent.
Là où vraiment la famille a peur, c'est dans l'escalier. Caroline, une des trois filles de John Humphrey, va raconter entendre des enfants qui pleurent. Comme si, en fait, il pouvait y avoir des enfants emmurés dans cette maison. Cet escalier les terrorise, mais ce n'est pas le seul endroit qui pose problème. Caroline, la plus jeune des filles, va raconter qu'elle entendait des bruits dans le grenier. Elle aura même l'impression qu'on déplace un corps, un cadavre, à l'intérieur du grenier. L'atmosphère dans cette maison devient de plus en plus sinistre. On ressent des chutes de température drastiques dans certaines pièces. Et John dira même avoir senti des mains glaciales se poser sur son corps. Assez rapidement, la famille Humphrey va se sentir menacée dans cette maison. Il va même avoir un effet assez dévastateur qui va finalement briser le couple. Et même la famille entière. L'épouse de John Humphrey a tellement peur qu'elle va supplier son mari de quitter l'endroit. De toute façon, c'est elle ou la maison. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, John va refuser de partir. Il va avouer avoir entendu comme une voix lui demander de rester. Pour lui, c'est une mission. Il est même convaincu que s'il ne le fait pas, s'il ne reste pas dans la maison, il va lui arriver malheur. Et durant 50 ans, il va tenir sa promesse. Il se trouve que sa femme aussi va tenir sa promesse et elle va partir avec deux de ses filles très rapidement. Elles vont quitter la maison. La seule à vouloir rester, c'est Caroline. Elle veut bien rester à la condition de vivre dans une caravane, dans le jardin, de ne pas dormir dans la maison. Et Caroline Humphreys va vivre comme ça de 6 ans à 13 ans. Mais elle aussi, elle finira par fuir et elle acceptera de revenir que bien des années plus tard pour aider son père. Quelles mystérieuses forces invisibles se cache entre les murs de cette étrange demeure. Alors que John Humphreys entreprend des travaux pour transformer le ramine en chambre d'hôte, il va découvrir, horrifié, son passé diabolique. Alors John Humphrey, c'est quand même un personnage. Il est têtu et malgré tout ce qui se passe dans cette maison, il n'a qu'une idée en tête, c'est ouvrir ses chambres d'hôtes. Lors des travaux de rénovation, il va creuser le sol et c'est tout le passé de cette maison qui va remonter à la surface. Il raconte qu'en creusant dans le salon, il découvre des ossements d'origine animale, en tout cas pense-t-il. Il continue de creuser et plus il creuse, plus il tombe sur des ossements. Ce que découvre le propriétaire ce jour-là, c'est une tombe. Sous cette maison se cache en réalité un véritable cimetière. On sait que les ossements ont été confiés à des chercheurs de l'université de Bristol. Les résultats des analyses tombent. Coup de tonnerre. Les chercheurs vont établir que ces ossements sont des restes d'enfants. Et évidemment, John va faire le rapport entre les cris qu'il a entendus à travers les murs et ces ossements. Alors aujourd'hui, on peut toujours voir cette tombe dans la maison. Et John précisera plus tard que la première nuit qu'il a passée dans cette maison, la fameuse nuit où il y a eu ces phénomènes, eh bien son lit était installé juste au-dessus de la tombe. John, malgré ses découvertes, ne va pas fuir cette maison. Bien au contraire. Bizarrement, il va commencer à placer des objets d'enfants tout partout dans les chambres. En fait, il veut essayer de faire du bien aux esprits qui sont dans la maison. Pour lui, maintenant, il en est persuadé qu'il n'est plus tout seul au sein de cette maison. Cet homme a beau vivre dans une maison qui lui fait peur, il dit qu'il est incapable d'en partir. Et comme il a besoin d'argent, il va persister à vouloir ouvrir des chambres d'hôtes. Pour certains, John Humphrey exagère ses histoires de fantômes et il le fait simplement pour attirer des clients. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. En 1989, le Ram Inn, entièrement rénové, ouvre enfin ses portes à des clients friands de phénomènes paranormaux. Malheureusement pour John Humphreys, la plupart des visiteurs vont quitter son établissement terrifiés. En 1989, John Humphrey n'a plus un sou et il compte vraiment pouvoir se refaire grâce à son auberge hantée. Caroline, sa fille, qui avait fui l'endroit à l'âge de 13 ans, est âgée de 27 ans en 1989 et elle accepte de revenir aider son père. En Écosse, en Angleterre, tout ce qui touche au paranormal et aux maisons hantées a vraiment un vrai succès. Les Anglais adorent ça. Et par conséquent, en 1990, eh bien, le Ram Inn va connaître un incroyable succès. Sa réputation va s'étendre dans absolument tout le pays. Les clients viennent pour se faire peur et évidemment, et peut-être malheureusement, ils en ont pour leur argent. On raconte même que certains clients n'y passent pas la nuit et partent par la fenêtre en courant. Certains affirment avoir vu des fantômes traverser les murs. D'autres ont eu la sensation d'avoir des mains glaciales sur leur corps pendant leur sommeil. Un tas de choses se passent dans cette auberge. Les témoignages des clients sont terrifiants.
La peur est telle que cela va se retourner contre John Humphries. Seulement 2 ans après l'ouverture de ses chambres d'hôtes, de son auberge hantée, les choses se passent mal et plus personne ne veut venir au sein de cette maison de malheur. Et la petite entreprise de John Humphries tourne à la catastrophe. En 1992, alors que la faillite menace la sinistre auberge du Ram Inn, le propriétaire demande au révérend John Yates d'intervenir pour chasser les esprits maléfiques qui, selon lui, effraient sa clientèle. Le révérend Yates témoignera dans un journal local avoir vécu ce jour-là l'une des plus terrifiantes expériences de sa vie. En 1992, John Humphries est à deux doigts de tout perdre et il décide de faire appel à l'évêque de Gloucester, le révérend John Yates. Et il va lui demander de venir faire un exorcisme au sein du Ram Inn. Alors, on sait ce qui s'est passé ce jour-là grâce à une interview qu'a donnée le révérend Yates à un journal local, le Western Daily Press. Le révérend Yates raconte ne pas vraiment prendre au sérieux toutes ces histoires de hantise, mais il accepte malgré tout de venir bénir les lieux. Au départ, le révérend pense à avoir affaire à un illuminé à barbe, parce que John Humphries est quand même un personnage un peu excentrique. Puisque sitôt arrivé dans la maison pour la bénir, eh bien, il va avoir un sentiment de terreur. Il va même préciser que quelque chose d'invisible essayait de le repousser hors des lieux. La violence est telle que ça va marquer l'homme d'église. Il confiera aux journalistes que c'était sans doute l'endroit le plus maléfique qu'il ait jamais visité. Coïncidence ou non, quelques semaines plus tard, le révérend John Yates va demander à sa hiérarchie de le muter dans un autre diocèse. Malheureusement, l'exorcisme est un véritable échec. John Humphries est littéralement coincé avec cette auberge hantée qui est invendable et plus aucun client ne veut y venir. Sa fille Caroline va alors avoir une très bonne idée, c'est de ne plus s'ouvrir aux gens de passage, mais plutôt à des chercheurs du paranormal. Au cours des années 1990, la réputation du Ram Inn est telle qu'elle attire à Wotton-under-Edge des chasseurs de fantômes venus du monde entier, mais aussi des caméras de télévision. Chacun espère trouver la preuve que cette étrange maison est réellement hantée par des esprits tourmentés. Fin des années 90, tout le monde se presse dans le sud-ouest de l'Angleterre pour avoir une chance d'apercevoir les fantômes du Ram Inn. L'ancienne auberge va accueillir des dizaines de caméras de télévision et des groupes de chasseurs de fantômes. John Humphries, et c'est normal, fait payer les visites. Il a enfin trouvé le moyen de rentabiliser son auberge maudite. Les chercheurs défilent et reconnaissent qu'il se passe vraiment des choses étranges dans cette auberge. Mais de là à reconnaître que cette auberge est la plus hantée d'Angleterre, certains ont des doutes. Mais le 5 juin 1999, Julie et Mark Hunt, deux chasseurs de fantômes, vont apporter un début de preuve à ces histoires. Ces deux enquêteurs vont prendre un cliché des plus étonnants au sein de l'auberge. Sur cette photo, on voit clairement une sorte de brouillard. Quelque chose comme de fumâtre qui semble être en mouvement. Tous ceux qui ont expertisé cette photo affirmeront qu'il ne s'agit pas d'un trucage. Cette photo apporterait la preuve qu'il se passe bien quelque chose de surnaturel dans cette maison. 3 ans plus tard, le très sérieux Ghost Club va se pencher sur le cas du Ram Inn. Alors, basé à Londres, le Ghost Club est réputé dans le monde. Il a été créé en 1862 et c'est la plus ancienne organisation au monde qui étudie les fantômes et les lieux hantés. Et le 12 juillet 2002, 14 membres du Ghost Club se déplacent dans l'auberge de John Humphries. Tous vont attester de phénomènes paranormaux au sein du Ram Inn. Ces chasseurs de fantômes vont affirmer avoir assisté à ces fameux changements brutaux de température. Ces témoins diront aussi avoir assisté à plusieurs apparitions, celle d'une femme, mais aussi celle d'un moine. Alors, il faut aussi préciser que dans l'escalier de cette maison, plusieurs témoins ont été poussés par une force invisible. Ceux qui osent passer la nuit sur place témoignent que quelque chose d'étrange semble habiter les lieux. En tout cas, la médiatisation de cette maison va aboutir à une chose. En 1996, elle va être inscrite sur la liste des bâtiments historiques remarquables par l'État d'Angleterre. Et aujourd'hui, on se déplace des quatre coins du pays pour venir voir les phénomènes de hantise qui se déroulent encore au Ram Inn.
Le 12 décembre 2017, John Humphries, le désormais célèbre propriétaire du Ram Inn, s'est éteint, léguant à sa fille Caroline cette mystérieuse maison. Cette dernière a récemment révélé que son père y avait vécu 50 ans durant, terrifié par ses inquiétants fantômes. John Humphries, agressé à plusieurs reprises, ne se déplaçait jamais sans avoir avec lui un exemplaire de la Bible.